son cœur et relâcher sa voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Prenez place dans sa présence et ouvrons ensemble nos Bibles, s'il vous plaît, dans Josué chapitre 6, au verset 1er. Je vais commencer ma lecture en Josué 5, au verset 13, et ensuite j'enchaînerai avec Josué 6, 1. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Josué 6, 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Il vous aurait été possible de prévoir ce dont nous parlerions ce matin, puisque nous nous calons sur l'exemple du peuple de Dieu qui a été introduit dans le pays de la promesse et qui, étape après étape, a fini par prendre possession de Canaan. Nous avons parlé ces dernières semaines de Gilgal, un type de l'église locale. Et à la sortie de Gilgal, les textes que nous venons de lire nous parlent de la rencontre que Josué va faire avec un ange du Seigneur, plus exactement avec le Seigneur lui-même. En fait, comment on peut déterminer qu'il ne s'agissait pas seulement d'un ange, mais qu'il s'agissait du Seigneur? Parce que au cours de cette rencontre, lorsque Josué va poser un certain nombre de questions à l'ange, il va lui indiquer qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel et il va lui dire « ôte tes souliers parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte ». Au travers l'échange que Josué et cet ange vont avoir, Josué va se prosterner et va l'adorer. Or, si vous êtes un lecteur averti des Écritures, vous savez que les anges refusent systématiquement d'être adorés parce qu'ils se disent être nos compagnons d'œuvre. La seule raison pour laquelle cet ange accepte l'adoration de Josué est bien parce qu'il est plus qu'un ange, il est Dieu descendu sur terre. Au sortir de Gilgal, Josué fait donc une rencontre personnelle avec Dieu. Et l'étape suivante qui va conduire les enfants d'Israël dans le pays de la promesse, ou l'étape suivante de leur conquête après Gilgal, c'est la confrontation à la ville fameuse de Jéricho. Et nous allons en parler ce matin. S'il fallait donner un titre à ce partage, je dirais « Renverser les forteresses ». Il s'agit d'une série que je souhaite commencer maintenant pour que nous tirions toute la substance dont nous avons besoin pour nous propulser nous-mêmes dans le destin de conquête qui est le nôtre. Laissez-moi vous énoncer cette vérité pour commencer. La vie est ponctuée de combats. Je ne suis pas de ceux qui disent que la vie est un combat ou qu'elle se résume à un combat, mais je crois que dans la vie, il y a des luttes que nous devons être d'accord de mener et de remporter. Celles et ceux qui aspirent à la paix ne pourront pas le nier. Même quand vous ne faites rien pour les attirer, il y a dans la vie des batailles qui se présenteront à vous, indépendamment de votre volonté, parce que si elles recèlent, en parlant de la vie, et gloire à Dieu pour cela, des expériences douces, merveilleuses et agréables, la vie est également constituée de combats. Et même pour ces combats, nous devons savoir rendre grâce à Dieu. Jacques, chapitre 1, le verset 2, nous dit bien entendu, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il faut donc se réjouir dans la vie des moments de paix,
mais aussi des batailles que la vie nous oppose. Croyez-moi, vous ne pourrez pas affronter ou esquiver tous les affrontements que la vie vous oppose, que vous soyez une bonne personne et que vos intentions envers ceux qui vous entourent soient toujours louables, ou que vous soyez rendu coupable par le passé de nombreuses actions qu'aujourd'hui vous regrettez, vous devez vous attendre à vous lever pour lutter et gagner les batailles décisives qu'il faut mener dans la vie, parce que dans la vie, il y a des combats. Combien de carrières n'admirez-vous pas en lisant les biographies de ceux qui ont marqué le monde par leurs découvertes, leurs idées, ou par le fait d'avoir été des pionniers dans certains domaines? Et pourtant, personne ici ne peut ignorer toutes les oppositions auxquelles ceux qui ont connu le succès ont dû être confrontés dans leur parcours. Lorsqu'en 1985, Steve Jobs est évincé d'Apple, peut-on imaginer qu'il reviendra des années plus tard pour relancer une entreprise totalement exsangue, sans avoir au préalable réussi à vaincre les craintes qui minaient pourtant ses collaborateurs les plus proches? Je demande, à quel doute, à quel défi Bill Gates a-t-il dû faire face lorsqu'il a décidé subitement d'abandonner une des plus prestigieuses universités du monde, Harvard, pour se consacrer pleinement à l'entreprise qu'il venait de créer? Mes amis, je ne veux pas que vous vous séduisiez, et je veux vous affirmer que la vie est pleine de combats. Et si vous voulez réussir, vous n'en serez certainement pas épargné. Se battre pour atteindre ses objectifs est une discipline à laquelle vous devrez vous habituer, parce que les trophées qui sont donnés sans mérite sont extrêmement rares sur la terre des vivants. Les hôpitaux sont remplis de patients qui se battent contre la maladie à coups de volonté, à coups de soins médicaux. Vous le savez, peut-être que vous ou un de vos proches l'a déjà expérimenté. Mais la maladie n'est pas le seul adversaire contre lequel il faut se battre. Dans une société de consommation qui multiplie les stratégies pour attiser la convoitise du plus grand nombre, seuls ceux qui savent réfréner leurs ardeurs de consommateurs réussissent à tirer leur épingle du jeu au moyen de l'épargne et de l'investissement. Parce que même dans la gestion de l'argent, la vie nous lance des défis. Ils comprendront ce dont je parle, ces parents qui luttent sans cesse pour éviter à leurs enfants de finir dans la délinquance ou dans la drogue, parce que même l'éducation est une guerre. Ceux qui doivent se battre de toutes leurs forces pour mener plusieurs activités professionnelles de front savent que dans la vie, il y a des combats qu'on ne peut pas accepter de perdre, parce que les conséquences en seraient dévastatrices. Parfois, vous aurez des alliés, et d'autres fois, vous serez isolés. Mais que vous soyez seul ou accompagné, vous ne saurez vous soustraire à cette vérité. Pour réussir dans la vie, il faut aussi être un guerrier. Sur le chemin du destin, il y a des combats qu'il faut remporter pour aller plus loin. Les larmes, les plaintes et les pleurs ne sauraient constituer notre seule réponse aux difficultés de la vie. Par choix, à un moment donné, il faut se lever et refuser de plier le genou, durcir le front, serrer les dents et lutter encore et encore, jusqu'à ce que ces géants finissent KO, pour que vous puissiez aller plus loin. Même dans le domaine spirituel, l'apôtre Paul nous explique que la foi chrétienne est ponctuée de guerres. Éphésiens 6:12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Peut-être faudrait-il préciser ici qu'il y a des catégories dans les combats. Et que si en face, vous avez une domination, Dieu fera de vous une domination pour lui résister. Je comprends mieux pourquoi il fallait qu'il fasse de nous des princes et des princesses de son royaume, parce que nous avons à lutter contre des principautés. Et contre un prince, seul un prince peut avoir le dessus. Il fallait que nous soyons revêtus de son autorité, parce que nous avons à lutter contre des autorités. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ces combats, nous n'avons pas à craindre la défaite, parce que Christ nous a précédés. Il nous a précédés dans toutes ces luttes qu'il a remportées. Il a acquis la victoire au préalable pour chacun de nous. Et ce matin, quels que soient les combats auxquels vous faites face, je prie qu'aucun d'entre vous ne se décourage. Je demande à Dieu que personne ne perde espoir dans ce lieu, parce que vous devez réaliser que la victoire est déjà de notre côté. Nous luttons pour réaliser, pour prendre conscience que ce combat a déjà été mené par celui qui nous a aimés le premier. Je vous invite à vivre la victoire de Christ sans plus attendre. Peut-être qu'en m'écoutant, quelqu'un est pris, est saisi de doute face à la rudesse de ce combat, mais que personne ici n'abandonne. Pas sous mon sacerdoce. Parce que le Dieu qui vous a confié à moi m'a chargé de vous rappeler qu'il a déjà gagné. Le combat est déjà joué d'avance. Vous ne pouvez pas perdre, mais vous combattez déjà dans la victoire. Si la barque dans laquelle vous voguez est menacée par les flots et que vous vous inquiétez parce que Jésus ne dit pas un mot, souvenez-vous de ce qu'il a dit avant de s'endormir. Souvenez-vous de ce qu'il a dit avant de se taire. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tempête. Il n'y a pas dit qu'il n'y aura pas de vague. Il a dit une chose, allons de l'autre bord. Ça veut dire que les vagues ne décideront pas de votre sort. Ça veut dire que ce vent ne vous apportera pas la mort. Mais qu'envers et contre toute chose, vous atteindrez l'autre bord. Avant de dormir, j'ai pour habitude de dire à mes enfants que je les aime. Et je crois que Dieu fait à peu près la même chose avant de se taire. Il nous donne une parole dont il sait qu'elle saura nous garder si nous savons la garder. Il y a une chose que Dieu vous a dite avant que vous n'entriez en guerre. Avant que vous ne soyez confronté à ce géant, il y a une parole que Dieu vous a dite. Point n'est besoin de paniquer parce que les vagues sont hautes. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit avant de faire silence. La Bible que nous avons entre nos mains contient un temps de 400 années, 4 siècles de silence pendant lesquels Dieu n'a plus parlé. Et je peux imaginer le désarroi des enfants d'Israël pendant ces 4 siècles à réaliser qu'il n'y avait plus de prophétie, plus de vision, plus de songe, que Dieu ne parlait plus. Mais les dernières phrases du livre de Malachie nous expliquent qu'avant de se taire,
Dieu a donné une parole d'espérance en disant, j'enverrai mon messager. Il réconciliera les cœurs des pères et le cœur des fils. En fait, Dieu ne se tait pas avant de nous avoir donné de quoi tenir jusqu'à la prochaine parole. Ce n'est pas son silence qui doit nous surprendre, mais la défaillance de nos souvenirs quand il s'agit de se remémorer en quels termes il a parlé avant de se taire. Car pour nous, ces paroles, ces dernières paroles sont salutaires. Je prie que les doutes qui vous assaillent tombent en votre pouvoir au nom de Jésus. Oui, que la guerre que vous menez pour la sauvegarde de votre foyer tourne à votre avantage dans le nom de Jésus. Oui, oui, que vous soyez couronnés de succès dans cette lutte. Je souhaite que vos lettres de motivation motivent leurs lecteurs à vous rappeler et à vous recruter. Il me semble bon de proclamer que le ciel se mobilise pour solutionner vos difficultés au nom de Jésus. Si vous êtes en difficulté, puissiez-vous réaliser que ce n'est qu'un état passager, parce que Dieu s'est mobilisé, qu'il a donné son Fils qui a été crucifié pour que vous soyez réconciliés avec lui et que par cette réconciliation, vous meniez une vie pleine d'abondance. Je déclare et je décrète que vous aurez constamment en pensée le fait que Jésus a déjà triomphé. Il a triomphé de la maladie, il a triomphé de la pauvreté, il a triomphé du célibat forcé, il a triomphé du chômage, il a triomphé de la possession, de l'oppression, de l'obsession. Il a déjà triomphé. Il a triomphé du chômage, il a triomphé des alliances maléfiques, il a triomphé des autels qui vous réclamaient, il a triomphé des lignées de sang. Il a déjà triomphé. Que quelqu'un se lève et crie, Jésus a déjà triomphé. Que quelqu'un le dise avec plus de foi, Jésus a déjà triomphé. Pense à ce combat que tu mènes, dont tu ne vois pas la sortie. Et souviens-toi ce matin que Jésus l'a déjà remporté. Et que m'importe si les gens sont dérangés par cette nouvelle. Peu importe si les gens nous traitent de distracteurs et de discoureurs. Nous ne cesserons pas de dire la vérité parce qu'elle dérange. Les chrétiens sont victorieux. Que dis-je? Romains 8, 37 l'affirme. C'est l'apôtre Paul qui parle en disant, mais dans toutes ces choses, nous ne sommes pas simplement vainqueurs. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La difficulté qui se présente à ceux d'entre nous qui n'arrivons pas encore à vivre dans cette dimension victorieuse porte un nom. Il s'agit des forteresses. Vos forteresses sont vos faiblesses. Ce n'est pas que Dieu n'a pas déjà fait, ce n'est pas que Dieu n'a pas déjà dit, mais les actes de Dieu, les paroles de Dieu dans votre vie se heurtent souvent à des forteresses. Et je crois que vivre une vie abondante, vivre une vie pleine de conquêtes, exige de nous que nous renversions les forteresses au nom de Jésus. C'est pour cela qu'avant de prendre possession de Canaan, les Israélites devaient faire tomber les forteresses de Jéricho. C'était un passage obligé pour progresser dans le pays. Et certains d'entre nous voient leur progression stoppée, voient leur vie chrétienne stagner, parce qu'ils n'ont pas encore pris fait et cause pour renverser les forteresses. Je veux vous parler ce matin de deux ingrédients incontournables qui font tomber les forteresses. Le verset 13 du chapitre 5 que nous avons lu nous dit de Josué qu'il fit la rencontre de l'ange en sortant de Gilgal.
alors qu'il allait vers Jéricho. Je crois que les deux ingrédients pour faire tomber les forteresses de votre vie sont Gilgal et l'ange. Pour être en capacité de faire tomber les forteresses, vous devez être passé par Gilgal et vous devez rencontrer l'ange. Les étapes de Gilgal que nous avons dépeintes ces derniers temps sont importantes avant d'aller à Jéricho. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la vie et la participation aux activités de l'église locale. Je vous l'ai dit, Gilgal est une image de l'église locale. La prière, l'enseignement et la louange qui sont pratiquées en assemblée sont précieuses pour le succès dans la vie d'un chrétien. Vous ne ferez pas tomber ces forteresses si vous n'êtes pas passé au préalable par Gilgal. Votre vie chrétienne doit être remplie de rassemblement, de vie en communion, non seulement avec Dieu, mais aussi avec vos frères et vos sœurs. Et je lutte de toutes mes forces contre ce concept sorti tout droit du fin fond de l'enfer, qui consiste à faire croire à beaucoup de croyants qu'ils se porteraient mieux s'ils ne participaient à aucune activité et s'ils n'étaient fidèles d'aucune église locale. Ils ont expliqué que l'église, telle que Jésus l'a laissée, n'était pas une église locale, mais était constituée d'hommes et de femmes qui se baladaient dans les rues et qui allaient afin de gagner de nouvelles âmes. Je crois au principe de l'évangélisation. Je crois au processus du porte-à-porte. Je crois en l'évangélisation par amitié. Mais laissez-moi vous dire qu'il est démontré statistiquement que le meilleur moyen pour gagner des âmes à Christ, c'est d'implanter des églises locales. Parce que lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, cette personne accepte Christ, c'est un nouveau-né dans la foi. Mais quel est le meilleur espace où recevoir un bébé que dans une maison? Aucun d'entre vous ne voudrait donner naissance à un enfant et l'élever dans un métro ou dans une gare. Tout le monde voudrait avoir cet enfant dans un hôpital et ensuite le conduire dans une maison où tous les soins dont il a besoin pour grandir lui seront prodigués. L'église locale est cette maison dont les enfants spirituels ont besoin pour recevoir la nourriture qui leur permettra de croître et de progresser. Et je vous encourage, mes amis, si vous connaissez des gens qui se sont perdus dans les méandres de cette diabolique philosophie, je vous encourage à leur expliquer l'importance d'avoir une église locale. Non pas pour être un sympathisant, mais pour en être membre, pour y être impliqué. Parce que Gilgal, c'est un environnement dans lequel vous devez accepter de vous laisser conduire. Combien de gens sont dans nos églises locales aujourd'hui, mais se conduisent eux-mêmes? Combien de gens sont dans les églises locales aujourd'hui et refusent de passer par la circoncision, refusent le changement? Combien de gens sont dans l'église locale et ne prennent pas le temps de guérir, mais dès qu'ils viennent d'arriver, veulent absolument qu'on leur donne le micro afin qu'ils prêchent? Combien de personnes sont dans nos églises locales et ils ne prennent pas le temps de se nourrir, de manger la nourriture solide qui leur permettra, lorsqu'ils feront des lives sur Facebook, de ne pas raconter tout et n'importe quoi? Oui. Gilgal est essentiel pour faire tomber les forteresses. J'aimerais que vous le proclamiez avec moi. Gilgal. Que dis-je? L'église locale. Est un incontournable pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons tout faire pour permettre à l'église locale de progresser, de prospérer, d'avancer. Toute notre énergie, nous devons la jeter dans cette vision que Dieu nous donne pour qu'elle puisse voir le jour, elle puisse se matérialiser. Parce que lorsque Jésus est parti, la meilleure structure à laquelle il a pensé pour le représenter sur la terre, c'était l'église. Ce n'était pas une association, ce n'était pas une institution, ce n'était pas une organisation, c'était l'église. Alléluia.
Gilgal, c'est la vie en église. Avant de rencontrer l'ange, Josué a dû passer par Gilgal avec tout le peuple. Mais la question que vous pouvez vous poser, et à laquelle je vais apporter un début de réponse, c'est une fois qu'on est dans l'église, qu'on a trouvé une bonne église dans laquelle on est enseigné, dans laquelle on est construit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on en sort? Comment sommes-nous censés mettre en application les choses que nous entendons dans l'église locale, dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on nous répète avec beaucoup d'emphase que nous sommes dans un environnement laïque, que nous sommes dans des écoles publiques, que nous sommes dans des entreprises publiques et laïques, et que donc nous ne pouvons pas y expliquer les raisons de notre espérance? Comment vivons-nous notre vie chrétienne lorsque nous sommes sortis de l'église locale? Il est possible que le manque d'impact de l'Église de cette génération soit lié au fait que les gens savent être de bons chrétiens lorsqu'ils sont à l'Église et ne savent plus comment être chrétiens lorsqu'ils sont sortis de l'Église. C'est pour cela que le seul ingrédient de la vie en Église locale n'est pas suffisant pour que les forteresses tombent. Il a fallu que Josué fasse une rencontre personnelle avec Dieu sur le chemin de Jéricho. Parce qu'il faut une relation commune, une relation de corps, mais il faut aussi avoir une relation personnelle avec Dieu. Les deux ingrédients qui nous permettent de faire tomber les forteresses, c'est Gilgal et c'est l'ange. C'est l'église locale et c'est le temps personnel que nous passons avec le Seigneur dans le secret de notre intimité avec lui. Écoutez, vous pouvez être un bon chrétien au dire de votre pasteur. Vous pouvez être un bon croyant au dire de tous les frères et les sœurs qui vous côtoient au quotidien. Mais si Dieu ne vous rencontre pas dans le lieu secret, vous manquerez d'impact dans votre vie de tous les jours. Les sept fils de Séva ont voulu faire une délivrance en disant « Au nom de Jésus que Paul prêche, sors ». Et ce démon leur a dit, « Je connais Paul et je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous ?» La difficulté de ces sept fils de Séva, c'est qu'ils n'avaient pas de relation personnelle avec Jésus. La seule relation qu'ils avaient avec Jésus, c'est qu'ils avaient entendu Paul prêcher Jésus. Et donc, ils croyaient au Jésus que Paul prêche, mais n'avaient jamais pu rencontrer eux-mêmes ce Jésus-là que Paul prêchait. Ce n'est pas le fait d'avoir entendu uniquement la prédication de votre pasteur qui vous permettra de renverser les forteresses dans votre vie. Vous devez bien entendu être enseigné, vous devez être nourri, mais vous devez vous aussi passer du temps avec Dieu. C'est indéniable, c'est incontournable, c'est absolument nécessaire, sans quoi aucune forteresse ne tombera sur votre passage. C'est pourquoi Dieu ne permet pas à Josué de continuer son trajet sans l'avoir stoppé au préalable, en lui permettant de le rencontrer personnellement, en lui permettant de se prosterner devant lui, en lui permettant d'ôter ses souliers parce que le lieu sur lequel il se tenait était un lieu sacré. C'est parce que Dieu voulait indiquer à Josué, c'est bien, tu connais la vie de l'église locale, c'est bien, tu connais la vie de la communauté chrétienne, mais il faut que tu me connaisses personnellement, parce que les murailles que tu vas confronter exigeront de toi que tu aies ces deux éléments-là, que tu me connaisses personnellement, mais que tu sois aussi impliqué dans la vie d'une église locale. L'un ne va pas sans l'autre. Pierre est un apôtre du Seigneur auquel Jésus a fait la promesse que sur cette pierre, il bâtirait son église. Pierre est un apôtre puissant en parole et en acte. Alléluia! C'est quelqu'un qui parle régulièrement avec le Seigneur, qui a des visitations, des extases au cours desquelles Dieu lui parle de façon audible. Pierre a donc une relation personnelle avec Dieu. Et je me réjouis de ce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont une relation personnelle avec Dieu. Je me réjouis qu'il y ait des gens qui sachent se retrouver avec le Seigneur pour parler intimement avec lui, et c'est très bien.
Mais beaucoup d'entre eux sont aussi dans une autre extrémité, en se disant, moi je n'ai besoin que de Dieu. En se disant, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ou alors, je n'ai pas besoin d'écouter la prédication. Je n'ai pas besoin de venir participer à la louange. Je n'ai pas besoin de cela parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Je rends gloire au Seigneur pour ta relation personnelle avec lui. Mais lorsque Pierre a été arrêté et jeté en prison, l'onction de Pierre ne l'a pas emmené à sortir. L'onction personnelle de Pierre ne lui a pas permis la délivrance. Les miracles que Pierre avait pu faire ne sont pas venus intercéder en sa faveur pour que les murs soient ébranlés. Pour que Pierre soit délivré, il a fallu que l'Église dans son ensemble se mette à prier. En d'autres termes, sans la prière de l'Église, malgré toute son onction, Pierre aurait été mis à mort prématurément. Je dis à quelqu'un que tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu, mais il faut aussi que tu aies une relation de corps avec lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Et j'espère que je suis en train de délivrer certains d'entre vous. On entend tellement de choses qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Les forteresses tombent en joignant à la révélation générale la révélation personnelle. La vie de l'Église et la vie personnelle avec Christ sont les deux faces d'une même pièce. Peut-être que vous me comprendrez mieux si je prends cet exemple. Un couple, des personnes qui sont mariées, un homme et une femme, conformément aux Écritures, ne peut pas vivre uniquement de relations publiques. Je m'explique. Il y a des gens qui ne savent se manifester de l'affection que quand ils sont en société. C'est lorsque les gens les regardent et que les gens les voient qu'ils savent se dire des mots doux. Finalement, beaucoup plus pour que les gens les entendent que parce qu'ils le ressentent. Mais dès que les spectateurs sont partis, dès qu'ils ont quitté cette soirée, là où ils étaient avec des amis, et qu'ils se retrouvent en chemin pour rentrer, tout de suite, ce sont des mots méchants qu'ils s'adressent l'un à l'autre. Lorsqu'ils sont dans leur maison, ils ne savent pas se parler avec amitié. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent leur amour uniquement lorsqu'ils sont en face de spectateurs. Ce sourire, se parler seulement lorsqu'ils ont des spectateurs devant qui jouer la comédie. Non, vos temps d'intimité doivent également bien se passer. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que la performance d'un acteur en public doit être le résultat de ses répétitions en privé. Et pas l'inverse. Vos mots d'amour ne devraient pas être plus beaux lorsque tout le monde vous entend que lorsque seule la personne à laquelle ils sont destinés vous écoute. Votre bonne entente doit d'abord commencer lorsqu'il n'y a personne d'extérieur pour vous regarder. Le mariage d'Isaac a été sauvé parce qu'il plaisantait avec sa femme quand ils étaient tous les deux. Vous ne me croyez pas, vous allez dire que je vous raconte des légendes. Genèse 26, versets 8 à 9. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Histoire intéressante que celle-là. Tout comme son père Abraham, Isaac arrive dans un pays étranger et
ment au sujet de la relation qu'il a avec sa femme Rebecca, en disant d'elle, c'est sa sœur. Personne ne le connaît dans le pays. Personne n'aurait pu percer à jour son subterfuge. C'est assez surprenant de noter que le seul élément, dites avec moi le seul élément, qui a permis à Abimélec de percevoir qu'Isaac était le mari de Rebecca, c'est parce qu'il les a vus plaisanter. Certains d'entre vous, vous êtes tellement spirituels que vous ne plaisantez jamais avec votre femme. Tellement spirituels, vous ne savez que utiliser le langage de l'armée. Donne-moi ceci, donne-moi cela, fais-moi ceci, fais-moi cela. Aucun moment de qualité où vous prenez le temps de célébrer la personne que Dieu vous a donnée. Il ne doit pas en être ainsi. Isaac était dans l'ancienne alliance, il plaisantait avec Rebecca. Toi, tu es dans la nouvelle alliance. C'est leur entente intime qui a sauvé le couple Isaac et Rebecca. Si Abimélec ne les avait pas vus plaisanter, quelqu'un aurait pu kidnapper Rebecca pour en faire sa femme. Ce sont les plaisanteries d'Isaac et de Rebecca qui ont sauvé leur mariage. Certains mariages sont en danger parce qu'ils manquent des plaisanteries. Écoutez, si vous savez vous aimer quand vous êtes seul, devant les gens, vous n'aurez plus besoin de faire semblant. Je le redis, la performance d'un acteur en public doit être le résultat de ses répétitions en privé. Tu dois apprendre à dire à ta femme que tu l'aimes quand vous êtes tous les deux. Tu dois savoir lui faire des compliments quand personne d'autre n'entend. D'ailleurs, si je peux pousser un peu cette analyse, puisque vous réagissez, je note dans cette histoire qu'il y a des plaisanteries qu'on ne peut avoir qu'avec son mari. Et qu'il y a des plaisanteries qu'on ne peut avoir qu'avec sa femme. Parce que le type de plaisanterie qu'Abimélec a vu lui a indiqué que ces deux-là sont forcément mariés. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Pour plaisanter de cette manière-là, il faut forcément être marié. Pour se toucher de cette manière-là, il faut forcément être marié. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à son mari ou à sa femme. Des marques d'affection qui sont déplacées si elles n'ont pas lieu dans le cadre légal du mariage. Sinon, en vous voyant, l'Abimélec que Dieu vous a envoyé pourra supposer que vous êtes déjà marié. Un Abimélec qui a des projets de paix pour vous, en voyant la façon dont vous riez avec ce frère, pourra considérer que l'affaire est déjà entendue, cette sœur est déjà prise. Donc il y a des types de sourires que vous ne devez pas donner à des gens qui ne sont pas votre mari ou votre femme. Il y a des expressions que vous ne devez pas employer avec des gens qui ne sont pas votre mari, qui ne sont pas votre femme. Il y a des bisous. Un de mes fils m'a dit cette semaine une expression que j'ai envie de vous redire. Il m'a dit, papa, quand j'ai entendu le bisou de cette sœur sur le frère, j'ai eu l'impression que c'est un bisou qui aspirait l'âme du frère. Cesse les bisous aspirateurs.
bien ce que je dis n'est pas dans votre Bible. Abimélec ne les a pas vus parler de sexualité. Il ne les a pas vus faire des projets de construction dans l'avenir. Il les a vus plaisanter. Tu ne peux pas plaisanter n'importe comment avec n'importe qui. Vérifie avant cette plaisanterie que la bague est déjà à ton doigt. Et pour ne rien vous cacher, c'était une illustration que je prenais pour vous dire que c'est exactement le même principe avec l'Église. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Et il faut assurément vivre un christianisme démonstratif et expressif lorsqu'on se retrouve en communauté. Je suis d'accord avec cela. Mais cette démonstration et cette expression doit être le résultat de notre relation personnelle, intime et profonde avec celui qui est notre époux. Il ne suffit pas de se satisfaire de la vie en communauté. Il faut avoir une relation personnelle avec lui. En d'autres termes, il n'est pas suffisant le dimanche au culte d'arborer votre grosse Bible que vous venez d'acheter si vous ne la lisez pas chez vous au quotidien. Un chrétien lit sa Bible tous les jours. De la même manière que vous mangez matin, midi et soir, de la même manière vous devez manger la parole matin, midi et soir. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et vous avez certainement des doutes en m'entendant. Mais analysez un seul instant le type de vie que vous menez. Est-ce que ça ressemble à la vie d'un chrétien? Vous entendez parler des histoires de la Bible maintenant comme s'il s'agissait de légendes, parce qu'elles sont à des années-lumière de ce que vous vivez au quotidien. Mais il y a une différence flagrante entre eux et vous. C'est que eux, ils méditaient la parole de Dieu tout le temps. Je ne veux pas courir le risque de demander cette semaine qui a lu sa Bible. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Ce n'est pas lorsque nous sommes en assemblée seulement et qu'on dit, est-ce qu'une voix peut s'élever? Oh Dieu, des vivants et des morts, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui es magnifique, brillant de lumière. Non, non, non. Ça nous plaît bien que tu saches prier, mais ton mari a besoin de toi à la maison. Il a besoin de t'entendre lui parler. Jésus a besoin de t'écouter, lui dire combien tu l'aimes quand personne ne vous écoute. Moi, il y a des choses que je dis à ma femme que je ne peux pas dire en public. Parce que ça fait partie de notre jardin secret, de notre intimité. Et de la même manière, vous devez avoir un jardin secret avec Jésus. Sinon, le christianisme que vous vivez est un christianisme d'apparence. Et il n'aura aucun impact. Aucune forteresse ne tombera devant vous. Parce que les forteresses sauront lire en vous et vous demander, oui, vous êtes passé par Gilgal, mais avez-vous rencontré l'ange? Vivre en tant que chrétien signifie que nous devons écouter le Saint-Esprit nous parler au quotidien. Je vous assure, et s'il m'était permis de le dire et de le faire, je vous dirais, je vous le jure, le Saint-Esprit parle. Et il a quelque chose à vous dire à chaque instant. Pourvu que vous sachiez prêter l'oreille au son de sa voix. C'est cela, être chrétien. Pas seulement de ressentir les frissons au culte pendant que la sœur dirige l'adoration ou pendant que le pasteur prie. Non, non, non. Certes, il y aura des moments où vous le ressentirez de cette manière, mais tous les jours, quand vous êtes seul, vous êtes avec lui et il a quelque chose à vous dire. Vous devez savoir dans votre vie quotidienne, savoir vous arrêter pour prendre le temps de l'adorer. Quand je rentre à la maison, après une journée de travail, même si ma femme est en entretien avec quelqu'un au téléphone, même si c'est un entretien pastoral, elle prendra le temps de dire à la personne, «
écoute, je dois arrêter notre conversation parce que mon mari vient de rentrer. Parce que c'est un temps qu'elle doit me réserver. Et je crois qu'en tant qu'église ou en tant qu'épouse, nous devons savoir faire la même chose pour Christ. Il y a des discussions que vous avez avec vos amis que vous devez savoir stopper pour dire « Attends, je dois aller rencontrer mon époux. » Votre alarme sur le téléphone sonne parce que c'est le moment de votre rencontre avec le Seigneur. Et à ce moment, il y a une chaîne de télévision qui passe votre série préférée, Telenovelas. Vous devez savoir dire à Telenovelas, « Attends, je vais rencontrer mon vrai amoureux. » Il ne s'appelle pas Mario, Arturio, Ricardo. Non, non, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il a donné sa vie afin que je sois sauvé. J'espère que je suis en train d'aider quelqu'un ce matin. Pour faire tomber les forteresses, vous devez vivre un christianisme plein et entier. Votre performance dans la prière en public doit résulter de votre vie de prière personnelle. Votre amour de la parole ne peut pas se résumer à des amens au cours d'une prédication d'une heure le dimanche. Mais cet amour de la parole doit se traduire toute la semaine par la lecture, la méditation et la mise en pratique des saintes écritures. Faites-le et vous verrez votre vie changer. Il n'y a pas d'autre secret. J'entends parler de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui vont chercher la puissance ailleurs. De chrétiens qui vont chercher à faire des pactes, eux qui sont chrétiens avec des esprits méchants. En se disant, mais où est la puissance? La puissance, elle se trouve dans toutes ces choses que vous négligez quotidiennement. C'est aussi simple que ça. Les forteresses ne sauront pas résister à celui qui vit avec Dieu en communauté et qui vit avec Dieu en intimité. Elles ne sauront pas résister à celui qui a un berger, mais qui est aussi en relation avec le berger des bergers. À celui qui sait entendre les prédications, les écouter, les mettre en pratique, mais qui sait aussi écouter ce que Dieu lui dit pendant qu'il est en train de méditer. Les chrétiens doivent avoir un temps de méditation, doivent avoir un cahier de méditation. Ouais. Ce que je vous dis vous semble basique, mais je suis régulièrement surpris de voir que ces basiques-là, beaucoup de croyants ne les ont pas. Chaque jour, le Seigneur doit vous parler, vous devez noter. J'ai lu tel verset biblique, voici ce que Dieu m'a dit à travers cela. Et voilà comment je vais mettre en pratique ce que je viens de lire. Si vous ne faites pas cela, vous êtes en train de stériliser votre chrétienté. Une fois d'avance.